Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce cinquième épisode. On joue Paris sur Civilization 5. Paris, on joue la France, pardon. Sur Civilization 5. Et ouais, donc on avait conquis notre petit continent, on avait découvert les autres nations, ou les autres nations nous avaient découvert au choix. En vrai, il nous manquait que. Il nous manquait que l'Égypte à découvrir. Thèbes a été prise par les Zoulous. Ouais, là ça commence à devenir problématique. Ça commence à sérieusement devenir problématique, le Zoulou. Va falloir faire quelque chose. Donc, on va dénoncer publiquement Shaka Zoulou. Voilà. Il va y avoir besoin de faire quelque chose là. Beaucoup beaucoup trop de capitales, de villes, de tout. Donc oui, va falloir faire quelque chose. Pour cela, bah, je vais lever une flotte. Voilà, je vais lever des frégates. Voilà, et on va reprendre des villes côtières qu'on va libérer. Pas trop trop choix. Voilà. Effectivement, un Zoulou pose problème aux trois autres, au moins aux deux des trois autres nations pour l'instant restantes. Falloir faire quelque chose. Donc on va aller attaquer Bulawayo dans un premier temps, qu'on va aller libérer. Hop, alors voilà, on va aller à Chartres. Voilà, on va mettre nos navires à Chartres et on va se préparer. Trop problématique ce tout. Ok. Ouais, on va y envoyer également des unités terrestres, hein, pas trop trop le choix hélas. Ouais, des mousquetaires, on a ce qu'il faut. Cavalerie également. Ah, je peux pas. Ah, c'est. Tiens, c'est ballot ça. Ah, d'accord. Ah, c'est original. Je me considérais pas comme étant dans mon territoire, du coup. Ok, ok, ok. Ok. Voilà, on va lever quelques armées de. Enfin, quelques unités de mousquetaires aussi. On va en avoir besoin. Voilà, Zoulou qui énerve tout le monde. J'ai pas un. J'ai pas une unité là en chemin. Elle est là. On va emmener tout ça à Chartres. Au moins aux alentours de Chartres. Ça devrait être suffisant. Quoique. Quoique, on parle de Zoulou quand même. Donc on va faire ça bien. On va acheter une autre frégate. Voilà, ça devrait être pas mal.
en mer. Ça devrait être suffisant. Absolument stopper Zulu avant qu'il tienne trop imposant. Ok. Et ok. Quelques tours hein, forcément de déplacement. Oh. On fait un castel. Allez, c'est parti. On va déplacer hop toutes ces unités là, une case par l'avant. Sinon on va pas avoir la place pour déployer toutes nos unités hein, forcément. Voilà. C'est le Danemark, bon on sait où est-ce qu'il va aller. Hein. Ça n'est pas un secret, voilà. Heureusement j'ai une armée assez puissante. J'ai une flotte surtout puissante, voilà. Je pense pas qu'il en ait une lui. Voilà, direction Bilbao. Bilbao, wow. Ce serait bien que je sois pote avec Hong Kong et Kaboul, voire même Katmandou. On va s'essayer à ça. Pour ça, rien de plus simple, un peu d'argent. Ah oui, tiens, j'ai ça. J'ai Cao Cao. Enfin, j'ai lui plutôt. Lui plutôt que ça, mais. Voilà. Là, et je pense qu'on aura presque tout le monde. Hop. Attention quand même. Ce serait bête de se faire prendre notre archéologue. Ah oui, il est là le camp barbare. Les mines du roi Salomon. Une doctrine. Produisent moins témoins de mécontentement. C'est parfait. Allez, on va commencer notre traversée de l'océan. Pourquoi pas?
C'est parti. 3 cases. Oh, c'est pas mal, hein. Voilà. On est en route. Ce rythme-là, on a quoi? Quelques tours quand même. Personne n'est copain avec eux, de ce que je vois. Tu copies mon barbare, oui. Ah, de la banane même, ouais. Voilà. C'est où ça? Qu'est-ce que c'est pas chez moi? On a 3000 d'argent, enfin 3000 d'or, on va pouvoir se faire couper avec ces cités-états-là. Voilà. Plus 8 d'or partout. Ok, ça passe. Il voulait bannir ressources de luxe or. Je suis pas d'accord. Ok. Bon, on a fini d'accompagner tout notre beau monde. Petit serment de protection. Ça coûte cher, Katmandou. Oula. Ah, ça coûte cher, hein. Ouf. C'est très la concentration là. Pour dépasser des unités là, j'ai besoin d'une concentration maximum. Allez. En plus, il va y avoir des forêts, des... Oh là 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 là! Et oh. Arquebusier! Ah oui, en plus. À les déplacer là, je sais pas pourquoi ils veulent pas. Là, je vais déplacer les unités navales en première.
encore des moutons là-bas, c'est vrai, qui sont dans la montagne, ils sont perdus. Hein. Enfin, ils sont perdus, ils sont un peu tout seuls, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette religion? Ça peut le faire. Nous sommes plus. Okay, nous sommes désormais alliés avec Kaboul. Parfait. On s'entend très très bien avec eux du coup. Alors. Voilà. Tac. Tac. Tac, tac, tac. Tac. Voilà, ça commence petit à petit. Ouh, bonjour. On va pas trop s'approcher, on va rester dans la mer au cas où. Pas trop qu'il ait de soupçons, hein. Voilà, je vais dire c'est un pique-nique géant. T'inquiète pas l'ami. Pas l'ami. L'ami c'est vite dit quand même. Alors. Ok. Ok. Ouais, faudra t'y faire, t'étais pas pote avec lui. Dégage. Oh, qu'est-ce que tu vas me faire en... Qu'est-ce que tu... Voilà, hein. T'as compris le reste. Ok, il a ramené un petit canon, mais c'est pas ça qui va le défendre. Hein. Ok, ça me va. Ok, ouais, parfait tout ça. Voilà. On reste discret, on est dans la forêt. Chut. On ne nous voit pas. Ouh, ça fait mal. Ouh, celui-là, il fait mal à l'arc-busier. Hein. C'est abusé, les dégâts. J'ai vu un 55 passer, là. Avant quand même, ce serait vraiment ballot entre guillemets. Ah, j'ai pas la portée, quel dommage. Ah, c'est bon. Continue tes fouilles. Je sais pas pour combien de tours il en a encore. On va bien affaiblir en tout cas. Bon petit don ici. Il a même monté le niveau, impeccable. Je vais l'enrôler, je vais le dissoudre. Ce prophète missionnaire, je sais même plus. Ah ouais, il y a encore des marécages. Oh là là, infâme.
Allez, on va libérer toutes ces villes. Bon, là-bas, on peut pas les libérer, mais... À Carthage. Ok. Illustre. Prophète illustre, on le dissout. Voilà, j'ai fait un mélange entre illustre et illustre. Illustre et dissous, je veux dire, j'ai fait un mélange entre les deux. Ça donnait illustre. On a combien? 64 de bonheur, c'est parfait. Enfin, vraiment, je m'en débarrasse un jour. Ça fait 500 ans qu'elle traîne là, cette caravelle. Oh bah bon. Vraiment pas rapide dans le coin. Archéologue. Artefact de Caboulois, mais c'est encore l'antiquité cet artefact. Je peux avoir un artefact qui ne soit pas de l'antiquité, s'il vous plaît? Soit juste d'une autre période que l'antiquité. Je ne sais pas laquelle. N'importe. Une autre. C'est tout. On va le laisser là, lui, c'est bien. Tac et tac. Là, il voit que c'est compliqué. Hein. Voilà, la cavalerie. Ça m'apporte pas trop toutes ces technos. Mais bon, faut les faire. Écoutez-moi. Don Quichotte. Ces cases, hein. Ouais, c'est vrai que là, on a plein de cases de collines sur lesquelles on peut faire des constructions, hein. Pas s'en priver. Alors, c'est des archéologues. Oh, non, c'est, on va faire des archéologues. On va recruter des archéologues. Allez, hop, un peu de bonheur. Donc, tu fais des misères à Katmandou. Ça va pas le faire, hein.
On va pas être d'accord, toi et moi. Exactement, t'as bien raison. Oh, il est mignon avec ses unités cheloues. On a perdu la cavalerie, ça c'est pas anormal. Allez, mettons-nous sur la défensive à ce niveau-là. Une, deux. Ah, on va pas s'avancer plus. Et voilà. Là, on est prêt, les gars. Là, on est fin prêt. Est-ce que je pourrais l'envoyer lui? Là-bas? Ouais, allez. S'en fout, tenter. Monaco 14, encore plus. Mais ça reste des routes terrestres, quoi. Ah, j'ai bientôt la dynamite. On va s'amuser. Unité de mousquetaire qui a pris un peu cher, c'est normal, elle a pris beaucoup de focus en plus. Non, pas de tir de la ville, ça. Est-ce que ça, j'ai la portée? Non. Ok. Hop, là, j'ai la portée par contre. Là, je vais le porter. On va faire reculer cette unité. Ah, je peux pas. Ah, c'est ballot ça. Bon, on va essayer de la faire régénérer. Du mieux que l'on peut. Ah, elles sont fortes ces unités, mine de rien. Voilà. On s'avance tranquillement, mais sûrement. Une unité. Oh, le double 50, sérieusement. Ah, le double 50, ça picote. 50 de soins, bah oui. Ah, par contre, ça. Son unité qui est là, on va pas la laisser tranquille. Alors, on est en dehors des portées de la ville. On va se prendre deux coups. S'approcher, on n'a pas la portée mais c'est pas grave, avec ça on va couler là, là on est bien, on n'a pas la portée, hop, pas non plus. Bien lui fatiguer cette unité d'impie. Faire tir de couverture parce qu'on voit qu'on prend assez cher quand même. Et je vais acheter un corsaire pour faire tomber les villes. Ça va m'aider.
Il n'a rien en mer, c'est ce qu'on avait vu. Il n'a absolument rien en mer. Un pillage des côtes. La mobilité. On est trop loin. Ah bah il y a de la portée maintenant, c'est ça qui est bon. Allez, on va aller là-bas. 15 tours. Voilà, il avait quand même pas mal d'unités, hein, mais bon. Bah, lui, il a son unité forte. J'ai mon unité forte également, mais elle a l'air d'être un peu plus costaud, la sienne. On va voir ce que ça donne. Heureusement, j'ai une puissance maritime non négligeable. Hop. Hop, hop, ouais, lui par contre en mer c'est difficile hein, pour lui en mer. Hein. Voilà, on s'en débarrasse. Ah, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Ah, les changements comme ça, c'est pas cool. Ici également. Ouais. Ah, il y a un petit castel dans un marais à faire. Il y a du monde, c'est ça? Non, bah non, pourtant. Je sais pas, tu vois, c'est bizarre. On va ramener le corsaire le plus rapidement possible. C'est où? C'est là. 5 tours. Enfin, c'est raisonnable, disons. En vrai, il va loin. Ah, je l'ai recruté à Tours. Ah, je l'ai pas recruté à Chartres. Alors, si je l'ai recruté à Chartres, il va vraiment pas loin. Si je l'ai recruté à Tours, il va loin. Cavalerie ou chevalier, pardon. Alors, focus les unités impies qui font plus mal. On se reconstitue. C'est très bien. Regardez qui voilà là-bas. Des unités Zoulou. On les élimine. Hein. Des joueurs qui sont perdus comme ça, les pauvres. Il fallait les laisser perdus en pleine mer. Hein. On leur donne le salut, comme on dit. Ouais, on accepte. Il lui reste deux unités de cavalerie. Peut-être qu'il va me prendre une. Moi, ouais, même pas. Je vais dire peut-être qu'il me prendra un canon, mais. Apparemment, non. Il n'a pas la puissance nécessaire. S'avancer. À s'occuper du Kazoulou. Une bonne fois pour toutes. Enfin, pas une bonne fois pour toutes, mais. Surtout, ça va faire du bien. Ça, on voit, mine de rien, il a accumulé une sacrée puissance. Hein. Voilà, comme ça en plus on défend notre unité juste devant.
notre unité de canon qui a pris cher. Enfin, qui a pris deux charges cavalerie, quoi, mais bon, quand même, ça commence à faire. Voilà, allez, allez la Corse. Allez Corsaire, pourquoi aller la Corse? Allez Corsaire. Je sais pas d'où ça sortait, c'était original. Ouais, ok, là, cette frégate, je vais la faire reculer. Après pas mal de coups de canon. Alors, tac, 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 tac. Okay. Allez, tac. Tac, tac, je pense que là on peut pas. Oh, putain, c'est chiant ça. Laisse-moi jouer ce que je veux, mon dieu. J'ai déjà dit mille fois. J'ai des canons là. Non, je dois me débarrasser. Ah mince. J'ai tellement oublié que lui je devais le faire reculer. Bon, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Ok, là. J'ai des comptoirs commerciaux que je peux faire. Ici également. Ferme. Ouais, tour prochain ça devrait aller. Tour prochain je devrais faire tomber Bilbao. Bulawayo. Et pouvoir le rendre à. Non, non, non. Rien à foutre de ta ville. Hein. Ce que je veux, c'est libérer les villes des autres. Hein. Alors là, toi, le tien, je n'ai rien à secouer, mais alors une puissance. J'ai perdu un canon, une frégate, c'est pas très. Déjà il va perdre un chevalier. Il y a beaucoup de troupes ennemies près de Paris quand même. Voilà. Hop. Un chevalier en moins. Attaque risquée. On peut pas la. On peut pas la rendre. Ah mince. On va annexer. J'étais persuadé que je pouvais la rendre. Bon là, il commence à me saouler là-bas. Le truc là, je vais faire un canon. Non, un balétrier. Que j'en ai là-bas, là, sur la case. Et on n'en parlera plus. On va faire un tribunal. C'était clairement pas voulu pour le coup, mais bon. De toute façon, c'est contre Chakazoulou. C'est pas bien grave, hein. Dans deux tours on a la dynamite, c'est bien, je pourrais évoluer mes canons. Allez, continuons sur cette belle lancée. Tac. Les impies. Ils sont sacrément puissants, purée. Mine de rien. Ils sont vraiment très puissants hein, comme unité. Hein. Ah, courage. Courage les gars. Ça va le faire. Allez, va là-bas toi. 4 tours. Ah oui quand même. C'est pas la porte à côté, hein. Ça y est, il est arrivé lui.
vrai que j'avais totalement zappé, hein, que j'avais envoyé un archéologue là-bas. Alors, ça m'était passé, et puis... Bah non, c'est pas intéressant ce que tu me proposais. Faire un effort au moins. On upgrade 6 unités. Hop là. 1, 2, 3. Et voilà, et on affaiblit ces autres unités, c'est parfait tout ça, c'est parfait. Sur quoi on partirait? Sur ça, c'est pas mal. Fusilleur, ouais. Bon. Ah, j'ai pas pu le déplacer lui. Mince. Voilà, il rapporte un peu ses unités là. Impeccable. Par contre, c'est chiant là, toutes ces forêts là, c'est faire des champs les gars. C'est plus pratique. Upgrade. Paf. Ouais, là-bas, voilà, on se débarrasse d'eux. Un petit dodo KO KO. Il est KO. J'avais pas mieux, désolé. Ok, ça devrait tomber en détour. On va se régénérer tranquillement. Ça va pas me demander à tous les tours, si. Pas d'ennemis, sûrement il y avait un ennemi. Oh, zéro dégâts. Un marchand illustre. Ah cool. Pourquoi pas? Allez, tac, tac, tac. Et tac. Et on libère. Bonjour l'Aztèque. Puis on va lui faire, on va lui voir une petite proposition de paix là. On va voir ce qu'il a à donner comme ville. Ça l'aurait déjà bien affaibli. C'est pas ça que je veux. Mais c'est Thèbes. Pas de soucis. Dans ce cas, je continue ma marche. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Tu veux pas, je continue. Voilà, enfin il y a des routes pour pouvoir avancer un peu plus sérieusement. Allez, en constitution. On se retranche.
Ah ouais, ça fait moins de dégâts que ce que je pensais. On a porté. Mais là, il y a. Voilà, si jamais il s'avance, au moins on aura la portée. Petite tour de radiodiffusion à Babylone, hein, déjà. Hein. Et du bonheur, toujours le bonheur. Dès qu'on peut, du bonheur. Ah. Air classique. Ah, singapourien. Oh, attendez, si ça se trouve. France, Babylone, France, Égypte. Ok. Ça, je vais le mettre. C'est rien, moi, là-bas. Là, j'avais vu un. Singapour, Singapour. Yes. Ah. Air classique. Me dis pas que j'en ai un autre à l'air classique. Oh purée. Poisse. Bon, c'est une peinture. Renaissance? Ah mais j'ai déjà. Mince. Ah, la poisse. La poisse. On va faire un échange. Moyen-Âge, 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 hein. C'est que du Moyen-Âge qu'ils ont. Je pense que j'ai déjà du Moyen-Âge. Ouais. Si j'échange création d'Adam du Moyen-Âge avec homme d'or. Voilà, Louvre, 16. Et bim! Et oui. Alors, ne contiennent que des œuvres artistiques de la même époque et civilisation. Ah. Après, c'est des œuvres, c'est pas des. Dommage. Et ça, la même époque et civilisation. Ah bah. Pas grand chose en musique, hein. Air industriel, ah j'en ai deux d'air industriel, il en manque une. Alors, je réussis à en faire une dernière, je sais pas si c'est faisable. Ah mais bien sûr que les Zoulous sont un fléau. Encore, mais il a encore tout ça en unité, c'est fou hein. Ah, j'ai déjà pris deux villes, mais. Ça produit, hein. Voilà, ça on en vient à bout déjà, c'est bien. Ouf. C'est combien de dégâts ça? Ah! Ah bah d'accord, ça y est, je viens de comprendre maintenant pourquoi je prenais cher là-bas. Ah ouais, mais ça. Ah oui, la ville juste là en fait, je pensais pas qu'elle était si proche. Hein. Ah ouais! C'est pas grave, je vais perdre un arquebusier, c'est pas. Pas non plus. J'ai rien ici? Ah ouais. Ok. Hop. Voilà. On va faire tomber tes nochtiques là, non? Heureusement, j'ai de l'artillerie. 1, 2, 3. Ah, j'ai pas le 1, 2, 3. Faudrait que je me mette là. Là, il a la portée. Et là, il aura la portée.
Hop, couverture, ouais. Parce qu'ils ont froid. Ah, non, bon. ça limitera les dégâts de des tirs à distance. Oh, deux casques que je peux exploiter là-bas. C'est parti. C'est parti, mon kiki. Ok, même de la vue, c'est bien. Ok, ils sont toujours sur Castel. Ça fait un moment quand même. Monaco. C'est hors de question. Ouais, j'ai découvert mes technologies, c'est pas pour qu'on me les vole. Artefact assyrien, oui. Oui, ils travaillent ensemble. Hop là, on libère. Voilà. On leur refile la capitale. On va voir maintenant s'ils veulent négocier une paix. Mais j'ai rien à foutre ça, mais donne-moi. Donne-moi Thèbes quoi. Moins d'habitants. Bon, j'ai accepté. Je vais aller chercher Thèbes. Je vais annexer sa ville pourrie là, son truc là, rien à foutre. Putain, il aurait perdu moins à prendre Thèbes quoi, je comprends pas. Alors idéologie mondiale, alors, on va mettre égalité, voilà, déjà, ce sera bien. Ici je vais pouvoir acheter tribunal, atelier, ça. Ah là-bas je peux pas encore acheter normal. Un port aussi, très important un port. Comme ça je serai relié à ma capitale. Ouais, puis on va faire les autres trucs tranquillement. Hop là. Case de désert là. Oh, les mousquetaires. Bon bah, mousquetaires, vous n'êtes plus de mousquetaires. Des fusilleurs. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Qu'est-ce qu'il me veut Zoulou? Sérieusement. Oh mais, dégage. Ah, il est loin à Thèbes. C'est vraiment pas la porte à côté. Ok, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'espère à tous que cet épisode vous aura plu. On se retrouve bientôt, hein, de toute façon, pour le prochain épisode, d'ici quelques jours. Comme d'habitude, du coup. Voilà, donc, ah, ça y est. Donc je vous dis, c'était Tchob. Ciao.